Kuba, la même. Tu es venu faire des palabres ou tu es venu en ami? Je suis venu t'annoncer l'existence de Tchadé. Ça veut dire quoi? Pour que tu disparaisses de la vie de Wahala. Vous devez 10 215 000 francs CFA. 10 millions? Votre mari, monsieur Wahala, il est en train de subir les assauts d'une femme avec qui il a été autrefois. Mais qui veut tout faire pour vous l'arracher. Tu es un salaud, Wahala. Ah bon? Oui. Vous savez que quand une femme est enceinte, le moindre choc peut provoquer une anomalie. Enceinte? Bien sûr. Tiens, tu fais le pas, hein? Mais hey, qu'est-ce qu'il fait là? Ils veulent t'accueillir comme une princesse. Je dis, je ne veux pas descendre. Tu vas où? En Europe. Chérie. Inconnu, nous attaquer. Hein? Battu et enlevé pour l'arrêt. Quoi? D'ailleurs, il est temps de partir. Je ne vais pas bouder mon plaisir, hein. C'est quoi? Je t'invite ce soir pour un dîner à deux. Je viens d'échapper à une tentative de viol. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible ni dans le Coran que c'est ce taxi que tu dois prendre, Godo Godo. Je suis ton enfant? Ou je suis ta femme? Non, tu as tiré à terre. Je ne suis pas tonton, mais mon père. Excusez-moi, tonton. Tais-toi! Ce n'est pas parce que tu as des entrées que tu vas penser que tu as gagné. Si ma fille a une seule égratignure par malheur, je vais t'arracher la gorge. Tu as vu, tu devrais aller de plus souvent à mission. Et ça marche bien pour toi. Non! Je parle! Mon enfant! Donne l'enfant! Viens, maman, maman! Mon enfant, commissaire! Il a plein d'enfants! Moi, mon enfant, commissaire! Si toi-même tu reconnais que cet attachement est anormal, alors il faut que tu en guérisses. Oui, tonton, je ne souhaite que ça, mais alors rien que ça. Vous les jeunes, vous n'avez que ça en tête. Après, les dégâts, ils vous ramassent en morceaux. Si tu décides d'en guérir, il faut que tu t'y remettes. Il n'est pas question de reprendre avec elle. Cette fille est une bombe atomique. C'est promis, tonton, c'est promis. C'est pas ce que tu dis doucement là. Non, tonton. Dès qu'elle revient, tu fais tout pour me l'amener ici. Compris? Oui, tonton. Bien compris? Oui, 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 j'ai compris. D'accord. Je vais te remettre quelques prières. Tu dois les réciter matin, midi et soir, dès que tu te mets à penser à elle. Promets-moi de le faire. Je vous le promets, tonton. C'est promis. Merci beaucoup, tonton. Merci beaucoup. Dis-moi, tu vas voir régulièrement ton père au village? Non, tonton. Mais chaque fois que l'occasion se présente, je n'hésite pas, tonton. Faut pas négliger les parents. Oui, d'accord. Jamais. D'accord, tonton. Merci beaucoup, tonton. Ok. Je compte sur toi pour me dégoupiller cette affaire. Mon petit doigt me dit qu'il y a beaucoup de chances que ça réussisse. Oui, je compte sur toi. Sois discret. Tu auras ta récompense comme d'habitude. Oui. Ciao. Allô? Oui. Masso, c'est toi?
Oui, 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 je suis à Boycon. Comment? Oh, c'est une longue histoire. Tu ne peux pas me croire. Oui? Ta sœur a accompli un autre exploit. Elle a remporté le prix Nobel du mensonge. Folade n'a pas été enlevée. Oui, oui, oui. C'est un montage pour me soutirer de l'argent. C'est dommage, c'est sale. C'est inhumain. En plus, elle m'a fait emprisonner. Bon, tout va bien. Oui, oui. Et dans 2 ou 3 heures, nous serons avec toi. Pardon? Non, 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 je dis que tout va bien et le plus important, je suis avec la petite et dans 2 ou 3 heures, nous serons avec toi. Tu vas lui parler? Je te la passe. Allô, maman? Oui, maman. Tu l'as entendu? Ok, je cherche un taxi et on sera avec toi. Taxi! Taxi! Taxi, Cotonou! C'est bon? Non, 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 non. Je vais gérer ça autrement. Ça va être fait par transfert rapide. Et donc, je suis en train de faire les démarches. D'accord. Pour que déjà on puisse. Allez, ma chérie. Merci. Ma chérie. Ton dévouement mérite d'être encouragé. Si toutes les missions effectuées peuvent se dérouler comme ça, mais on fera de très belles affaires, n'est-ce pas? Oui. Ah, il faut que j'y aille maintenant. Non, dis donc, tu es pressée de me quitter? Tu m'as promis, Kavé. Si, chérie, mais je n'ai pas fini avec toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Devine. Ah, non. Si, bébé. Oh, quand même. Faut toujours joindre l'utile à l'agréable, chérie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma chérie? Bébé. Voilà. J'espère que ça ira. Ça va. Je me sens beaucoup mieux maintenant. D'accord. Toi, fais attention, hein. Évite de tomber dans les trous. Toi aussi. Est-ce qu'on peut faire un pas dans cette ville-là sans tomber dans les trous? Hein? Mais, okay. Mais j'essaierai quand même. D'accord. J'essaierai. D'accord. Bon. Allez, tiens ceci. Non, ça va. Tiens là. Non, j'ai de quoi prendre un taxi, ça va. C'est vrai? Oui, ça va. C'est bon. Merci c'est beaucoup. Bon. Merci. Merci beaucoup. Ok. Allez-y doucement. Ouais, ouais. Tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Tu nous rejoins. Ah, tout à l'heure, je viens. Merci. Du courage, ma chérie. Allô, Clo-Clo. Qu'est-ce que tu as fait à Soubérou? Ah non, hein, ne me dis pas que tu es coupable de choses dont il t'accuse. Hein. Tu viens quand? D'accord, je vais t'espérer. D'accord. Chérie, tu as été extraordinaire. Merci. Mais dis-moi, ce tatouage-là, tu l'as eu en Europe, hein? Oui. Je viens de le découvrir. Tiens, je vais t'offrir... Ça, c'est un iPad. Wow. Alors, ça va servir de communication entre nous. Tu ne dois jamais l'éteindre. Et c'est ton cadeau. Merci, Kavé. Ok, il faut que j'y aille. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oh
Alors, donc, n'oublie pas tout ce qu'on a dit. Hein. D'accord. D'accord. Règle numéro 1, tu ne dois jamais l'éteindre. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Au revoir, Kavé. Salut, ma chérie. Salut. Bye. Allô? Oui, oh, Samira, c'est toi? Oui, ma chérie, ça va. Comment? Tu es arrivée? Mais depuis quand? D'accord. Tu attends chez moi? D'accord, d'accord. Attends-moi, j'arrive dans une seconde. Oui, parfait, ça marche. Attends, non, j'arrive dans une seconde, ok? Oh, bisous, ma chérie. On est devenu riche, mon ami. Riche et pour toujours. C'est ton nom seul qui est sur le papier. Et alors? Où est le problème? Tu n'as pas cotisé beaucoup d'argent. Oh, dès que l'argent serait là, on va diviser ça en deux. Tu prends ta part, je prends la mienne. Tu es sûr? Tu n'as pas confiance en moi. Hein, Kokou, tu n'as pas confiance en moi. Doucement, hein? Oh, Zem, prends ça. Va le déposer chez lui. Hein? Attention! Oh, Kokou, vas-y là! T'en fais pas! Madame. Oui, merci, Joseph. Où est Kokou? Kokou, il est dedans. Il est dedans. Mais... Kokou, j'ai à te parler. C'est pour toi, hein? Oh, mais oui, quand tu viens de Paris, j'ai envie que tu me vois tout nickel comme ça. T'es tout mignon. Ça va. Comment tu vas? Ça va. Ça va. Oh, c'est toi, ça. Attends, dis-moi, tu étais où quand je t'ai appelé tout à l'heure? Oh, ben, j'étais à l'église. J'étais allé voir mon oncle, là, le prêtre, le type volumineux, là. Tu es sûr? Oh, je te jure, il m'a pas fait de quartier, hein. Mon Dieu. Chérie. Oh, Souzou, tu m'as tu manqué. Tu m'as manqué. Ah, mais tu m'as manqué aussi. Tu m'as atrocement manqué. Mmh. Souzou, c'est toi, ça. Je te jure.
Ça m'a paru une éternité. C'était pour moi comme un siècle d'enfer, quoi. Tu vois, je n'arrivais pas à vivre sans toi, quoi. Mais dis-moi, ça s'est passé comment? Oh, bien. Bien, bien, bien. Comment ça bien? Mais raconte un peu, là. J'ai dit bien. Oh, Samira, quand toi tu commences pas à parler comme ça, j'ai envie de faire pipi au calcul. Oh, arrête, permets-moi de ne rien te dire, ok? Arrête, arrête. Dis-moi un peu. Bon, écoute, on laisse tout ça et on passe à deux. Non, chérie, arrête, arrête. Quoi? J'ai pas envie de me faire mon 4 000 pour l'instant. Oh, ok? Hein? Oh. On va sortir un peu. Et à notre retour, tu auras tout ce que tu veux. Arrête! D'accord, on fait comme tu veux, d'accord? D'accord. Et... Vous avez pu prendre le numéro de la voiture? Non! C'est quel type de véhicule? Madame, s'il vous plaît, amenez-vous ça. C'est quel type de véhicule? Là, je ne sais pas. Oui, permanence. Accident de la voie publique, Carrefour, hôtel Allégio. Voiture en fuite. S'il vous plaît, madame, je peux avoir ce numéro. Oui. Maman, le placard. Ah. Attends, donne-moi 2 secondes, je vais me faire super craquant, tu vas on voir. On part ensemble. Hey, faire super craquant. Allez-y. Écoute, je t'ai apporté beaucoup de surprises, mais... N'est-ce pas? À mon retour. Allez, vas-y. Oh, chouchou, ça. Oui. Comme tu le dis, l'ingratitude, c'est le sida des relations. Oui, les gens sont aussi ingrats que des poux. Une seconde, s'il te plaît. Oui. J'ai un appel sur l'autre réseau. Oui, allô. C'est toi? Ok, raconte. C'est bien. Je dirais même très très bien. Que quelqu'un retourne sur les lieux pour me donner des précisions. Ok, à tout à l'heure. Coucou, l'eau est devenue tiède. Va me chercher de l'eau chaude. Ah, madame, elle est chaude. Et fous-moi la paix. Va me chercher l'eau. Change-moi l'eau. Venez, madame. Hé, hey, est-ce qu'il va comprendre? Waouh, c'est comment? Tata Clo-Clo, t'as pas dérangé là. Tu as bien mangé, non? Madame! Chérie! Oui. Soubé! Oui, raconte-moi ce qui s'est passé à Boyko là-bas. Oh, ma chérie, tu vois que je suis fatiguée. J'ai pas mangé, j'ai soif, je me suis pas lavé. Regarde, je vais te raconter tout ça après. Non, fais-le maintenant, là. Dans le lit, dans le lit. L'enfant est là, tu parles comme ça. Tu attends quelqu'un? Je n'ai pas de rendez-vous. Entrez. Bonjour, tante. Ah, c'est comme ça, ça va? Oui, ça ne va pas. Mon patron a fait un accident avec toi. Eh, oui.
Il est à l'hôpital actuellement. Okay. Une voiture les a heurtés au carrefour. Oui. Et elle a fait. Elle est à la maison. Et son ventre sorti en place. Des gens l'ont ramené. Elle a où? Elle n'a rien. Ah, mais comment va voir là? Il est à l'hôpital. C'est grave, tonti. Faut que j'aille. Non, tu ne peux pas partir comme ça. Comment? Toi aussi. Nous venons d'arriver, ta fille et moi. Nous n'avons pas mangé. Nous ne sommes pas lavés. Et tu veux partir comme ça? Moi-même, je veux aller voir mon ami à l'hôpital. Je sais. Mais si c'est qu'elle est venue jusqu'ici, c'est parce que ma présence est nécessaire auprès de mon ami là-bas. Mais Sika aussi voit que nous venons d'arriver. En plus, tu... voilà, le riz brûle, il y a le riz sur le feu. Aïe, va voir ça. C'est vrai, je viens. On te parle et toi, tu... Pesser. 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 Akuba, Wahala. Akuba, Wahala. Enfin, tu décroches. Wahala. Oui. Akuba, Wahala. Il y a longtemps que je t'appelle. Ah bon? Tu veux jouer au cachotier maintenant? Non. Je viens d'apprendre que Wahala était gravement accidenté. Il est à l'hôpital, dis-tu? Plaise au ciel. Plaise au ciel qu'il ne lui arrive rien de désagréable. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit la femme. Uniquement la femme. Si jamais, je dis bien si jamais Wahala décède par ta faute, sois-en sûr que je te poursuivrai jusqu'en enfer. Ok? Kakou! Je t'ai appelé tout le temps. Non, non. Et tu as fait le mort. Qu'est-ce qui se passe? Arrête! C'est pas le lieu! C'est pas le moment. Attends. Non. Viens. Viens, assieds-toi. Et tu restes tranquille. J'ai pas oublié ta promesse. T'as compris? Mais là, je suis coincé. Je suis coincé. Tu veux coincer comment? Ah. Attends. Mais. Ah! Oh! Tiens, oh! Mais ton homme là, c'est dans Léa. La fille s'en va. Je la raccompagne. Papa, madame, ça va? Ah non, non, pour mes meilleurs. Arrête. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je suis l'inspecteur Diagouda. Monsieur Zouberou, Bémé. S'il vous plaît. Monsieur Zouberou. Zouberou. Oui. Très bien. Vous êtes accusé d'enlèvement de mineur. Une petite fille de 6 ans, du nom de Folade. Et que vous avez volé à votre belle-sœur à Bricon. Enlèvement? Oui. C'est ma propre fille. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais je vous dis que c'est ma propre fille. De toutes les façons, vous allez nous suivre. D'accord? C'est quoi cette histoire? Pour toute explication. Agent. Mais écoutez, embarquez-le. Et suite. C'est quoi ça là? Cambia su.
there.